bienvenue dans la Minute de Vérité, Passage du Désir. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des œufs vibrants. C'est ces petites choses-là. C'est le jeu de coupe par excellence. Et à quoi ça sert du coup? À se faire du bien. Et ça marche comment? La partie vibrante se met dans le vagin et tu contrôles les vibrations avec une télécommande à distance. Donc si j'ai bien compris, je prends l'œuf et toi tu me fais vibrer avec la télécommande. On a dit dans le vagin, Alex. Je porte l'œuf et tu contrôles les vibrations avec la télécommande. Ah ok, oui, c'est mieux. Et c'est quoi le but du jouet du coup? Le but du jouet, c'est de pimenter les choses, favoriser la complicité du couple, pas forcément d'aller chercher un orgasme. D'accord, et on l'utilise où? Un dîner, au cinéma. Brunch avec ta mère le dimanche? Par exemple. Là, ça rendrait les choses un petit peu plus sympathiques. Donc là, je contrôle? Oui. Ok. Là, je contrôle encore? Toujours. Là, je contrôle encore? Tu as entre 5 et 8 mètres de distance. C'est pas la peine d'aller chez les voisins non plus. C'est dommage, ça pimenterait bien les choses. On va faire comment ce week-end quand tu seras à Marseille? Eh ben, heureusement, il existe des jouets comme le Jive de chez WeVibe, où là, t'as aucune limite de distance. Aucune? Aucune. Je suis en Russie? Par exemple. Je suis en Australie? Ça marche aussi. T'installes l'appli sur ton téléphone et tu contrôles la distance. Voilà, c'était la Minute de Vérité de Passage du Désir. J'espère qu'on vous a aidé à y voir un peu plus clair dans mon merveilleux, mais parfois incompréhensible, des sextoys.